faire notre petit compte-rendu. Sur l'essai des motos, t'en penses quoi, Henri? Ah ben non, pas Henri du coup. Eh ben non, c'est pas Henri. Il est resté à la maison parce que bon, il a compris qu'il fallait mettre des vrais hommes sur des vraies motos. Donc du coup, il y a Sébastien qui nous rejoint pour parler de l'essai d'aujourd'hui sur route et un petit peu sur tout terrain des deux motos. Bah, alors, écoute, c'est simple, quand tu regardes esthétiquement, on est sur deux esthétiques différentes. Ouais. J'ai une préférence, une très très grande préférence pour l'Africa Twin. Sa gueule agressive, elle est juste magique. Ouais, j'avoue. C'est magnifique. Le V-Strom est pas mal. Le petit bec, comme tu disais tout à l'heure, ouais, qui peut faire penser canard à d'autres modèles de moto. Ouais. Mais moi, je kiffe en tout cas l'Africa Twin. Ah, c'est vrai, le côté, l'avant, les deux optiques, franchement, j'aime bien. Bah, ils sont magnifiques. Tu vois, ça donne vraiment ce regard agressif qui dit c'est bon, je suis là, regardez derrière, il n'y a aucun souci, je suis là. Le petit plus, c'est quand tu allumes, quand c'est en contact et tout, le petit rappel et tout, parce que c'est des LED. Bon, c'est des LED aussi par là, mais c'est trop magnifique. Franchement, coup de cœur pour l'esthétique de l'Africa. Alors l'avant, ouais, très bien. Oui. Très avant, l'avant, magnifique, même. Au niveau esthétique, sur le tableau de bord, on a vraiment quelque chose de très large, de très beau, de très imposant. Un petit arrière, c'est joli, c'est vraiment joli, ça ressemble aux Africa Twin. De toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul, hein, comme on dit. Ouais. Mais non, esthétiquement parlant, dans la globalité de la chose, je préfère finalement l'Africa Twin qui est vraiment très très belle. Effectivement, après sur les deux, hein, y a toujours la possibilité de rajouter top case et les valises sur le côté. Ça, quand ça on pose a de aucun la route problème à faire, franchement, et c'est... Ça pose aucun problème. Ouais. Alors, ça, je suis c'est grand, cool. Je suis 1m93, il faut savoir ça. C'est ça le problème. On a pris celle-ci. Ouais. J'ai fait un petit bout d'essai. J'en prenais vraiment plein la gueule. Mais vraiment plein la gueule au niveau du vent. C'est le petit désavantage. Désavantages, mais ouais, du coup sur celle-là tu as pu faire alors monter celle-ci, j'ai pu lever, faire monter et faire descendre, ça c'est cool. Mais bon, je prends du vent, ça c'est sûr et certain, mais moins sur l'Africa que sur le V-Storm, tu vois. Pas de souci. Bah en tout cas, effectivement, moi 1m60, j'ai toujours pas pris 1 ou 2 cm de plus. Je l'ai testé. C'est vraiment pas pour les petits gabarits. Après, une fois qu'une moto roule, elle roule. Mais oui, à l'arrêt, au feu, en stop et tout, bon... Ah oui, c'est sûr. J'étais beaucoup plus à l'aise sur l'Africa Twin parce que forcément, je touche un peu plus le sol. Donc, voilà. Bah écoute, après, outre le côté effectivement esthétique, hein, c'est cool. Quand on part sur route, ouais, et quand on fait du gravier, tu sais, quand on a fait le gravier, là, alors c'est simple, hein, celle-ci, rien à dire. J'ai trouvé le gravier super cool. Ouais. Petit bémol qu'il faut prendre en compte. Quand on pèse, comme moi, 93, 94, j'ai rectifié un petit peu, tu vois. C'est pour pas qu'on puisse dire que je suis gros. Le problème, c'est que j'ai tapé le sabot. Ouais. Alors le sabot, je l'ai tapé, mais de plein fouet, juste en prenant un petit trou, une petite ornière, voilà. Alors c'est simple, on a le petit réglage au niveau de la suspension. Alors ouais, tu l'as aussi, hein. Moi aussi, j'ai le réglage et je l'ai mis tout de suite à fond. Hein, je l'ai mis en dur. Et là après c'était juste magique. Ouais. Réactive. J'ai arrêté de taper. Le freinage par contre ça freine, mais c'est un mordant impressionnant. Ça ouais, c'est moi, c'est vraiment un vrai mordant. On est au niveau de la descente de four, je t'avouerai que ayant essayé celle-ci, ayant essayé celle-là, j'ai pas trouvé réellement de différence. Mais vraiment pas plus de différence que ça. Donc ouais, voilà, bon, après... cette histoire de taper sabot, tout ça, petit gabarit, un petit peu, je sais pas, poids plume, mais comparé à toi, ah, bah, oui. Comparé à moi, si, moi, t'es un poids plume. Moi, j'ai pas eu ce genre de soucis. Ah, mais là, de toute façon, sur aucun des deux, je te dis, là, tu taperais pas le sabot. En tout cas, hein, en tout terrain, ben... Voilà, je vais pas le dire 10 000 fois, je suis vraiment plus à l'aise sur l'Africa Twin, que ça soit sur route ou sur tout terrain. Ça pardonne pas mal de choses. Oui, l'électronique qui est embarquée à l'intérieur pardonne énormément de choses. Bon, il faut dire que je pense que tout comme celle-là, mais il y a beaucoup d'assistance et tout, il y a tous les modes de ouais, conduite. Ouais, ouais. Moi, j'ai mis sur le mode gravier. Voilà, au moins, ça me... j'étais plus en sécurité. Je me dis, bon, au moins, si je fais un petit truc, ouais, elle va rattraper. C'est ça le plaisir, tu vois, le plaisir de faire un peu de gravier, un peu de terre, se dire, allez, vas-y, j'y vais, tu vois. Celle-ci, elle te le dit. Vas-y, envoie-moi. Ouais. Accélère, mets-moi, vas-y, mets-moi-en.
Tu vois, celle-ci, par exemple, elle te dit, je vais y aller, mais par contre, je vais y aller doucement pour pas te faire mal, tu vois. Ouais. Mais elle en a aussi, hein, faut faire attention. Hein. Moteur très efficace, elle en a sous le moteur. Par contre, elle y va un peu plus posée. Après, je pense qu'en jouant avec les modes, en désactivant pas mal de choses... Oui, parce que tu as deux modes personnalisables dessus. Donc, tu peux jouer sur tout, la puissance, la traction... Tu joues sur tout. Mais par contre, effectivement, on est bien sur le côté, je dirais, technicité, électronique embarquée, parfait. On est aussi sur de l'électronique parfait. Mais encore une fois, on est sur d'autres choses. Mais ce sont de très belles machines. Très très belles machines, très bonnes machines. Ce soir, je repars avec celle-là. Bah, je vais te tester la S. Moi, je repars avec celle-ci. T'inquiète pas. Mais il n'y a pas de souci. À plus pour une prochaine vidéo. Salut, salut.